Bonjour à tous, c'est parti pour une nouvelle semaine. J'espère que vous allez bien, que la semaine dernière s'est bien passée. Dans la salle de classe de la semaine, la nouvelle vidéo de la présentation est au tableau, ainsi que le nouveau planning. Cliquons ensemble sur le travail à faire. En cliquant sur le lien, on arrive sur le Padlet de la semaine. Cliquons ensemble sur le planning. Et commençons comme d'habitude par le planning de la semaine. Cette semaine, nous continuons notre séquence 8 sur la description des mouvements. Au planning de la semaine 11, on s'aperçoit qu'avant mercredi 10, jour du test QCM sur Pronote et du cours en ligne de 11h à midi, il faudra faire un module tactiléo sur la relativité du mouvement. Ensuite, après ce mercredi 10, il y aura la publication de la leçon de la semaine ainsi que de la vidéo associée. Mercredi, le cours en ligne aura lieu de 11h à midi, avec toujours le lien sur le Padlet et sur Pronote. Je l'ai placé mercredi, ainsi que vous soyez ou non retourné au collège, vous pouvez y assister sans difficulté. En résumé, cette semaine, tu devras avoir retenu une seule nouvelle chose, ce qu'est un référentiel, et comprendre qu'un mouvement doit être décrit par rapport à celui-ci. Tu obtiendras une note sur 30. Retournons sur le Padlet et regardons ensemble les activités de la semaine. Sur le Padlet, dans la deuxième colonne, on retrouve l'ensemble des liens tactiléo classe par classe. Il faudra essayer de faire cet exercice avant la classe en ligne de mercredi de préférence. Comme à chaque fois, tu tomberas sur la page de Tactiléo où il faudra écrire ton prénom avant de commencer le module. Pour le reste de la semaine, dans la colonne de quiz, tu retrouveras le lien vers Pronote qui te permet d'accéder au QCM. Dans la colonne de cours en ligne, on te rappelle la date de la classe virtuelle et tu as également le lien pour accéder au cours en ligne. Puis, dans la colonne « Leçons », je publierai la leçon après la classe en ligne de mercredi à midi. C'est parti pour cette semaine sur la relativité du mouvement. Je te dis à mercredi pour la classe en ligne et bon courage. En attendant, prends soin de toi et à très bientôt !